au sol. Allez, Vitaly. Montre-nous que les galas effectués autour du monde n'ont pas entamé un centième, j'allais dire, de son talent. Cherbo va mettre le turbo. Stalder inversé. Soleil, on se prépare, voilà. Combinaison sur un bras, quatre chefs d'un bras. Pas mal. Pour sauter au-dessus de la barre. Et deux lâchés enchaînés. Ça paye, ça paye. Passage sur le dos. Grand tour dans salle. Voilà, changement de face et maintenant ça sort. Toujours la parade, l'entraîneur. Le temps du plus brille. Aucune faute d'exécution pour Vitaly Cherbo. Je ne sais pas si ce sera suffisant pour être champion du monde, mais en tout cas, il devrait prendre la première place. On s'embrasse toujours sur la bouche, hein, dans le... Ah, ils aiment bien ça. Hein. Ce sont des Biélorusses, ce ne sont pas des Russes. Hein. Ah oui, quelle vitesse et quel rythme il a donné à cette période de son programme. C'est de lâcher enchaîné avec le Ginger pour terminer. Alors là, beaucoup d'élévation dans l'espace. On va la voir. Oh oui. Oui, et tombe pile. Car Cherbo ne tremble pas. Alors, Vitaly Cherbo va attendre sa note. Il en a l'habitude. Félicité par l'entraîneur américain. Alors, vous voyez les rougeurs qu'il y a sous les bras, ce sont ces rougeurs dont on vous parlait, ces brûlures dont on vous parlait au bar parallèle. 9-687, Cherbo prend la tête, mais je vous l'ai dit, il y a peut-être plus fort que lui aujourd'hui à Brisbane.